Coucou mes amis taureaux, mars 2022, qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois-ci? On va aller regarder le prédictif, on regardera aussi le professionnel, les énergies et la santé, et on terminera par les blocages, les défis, les solutions. Voilà, qu'est-ce que un petit peu les guides de l'univers vous amènent comme première partie de solutions, hein, parce qu'après les solutions restent à être mises en place et il faut que ça résonne aussi pour vous. Voilà, donc on va regarder un petit peu tout ça dans la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner ici en bas à droite de la chaîne si ce contenu vous plaît, bien entendu. Je vous mets dans la barre de description tous les oracles que j'utilise. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder si cela vous intéresse. Et aussi, bien entendu, le chapitrage de tout ce que je vous ai dit. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, re-regarder, voilà, quand on aura fait le tirage. Et puis, je ferai une vidéo prochainement pour vous, taureaux, et puis bien entendu pour les autres signes, si vous voulez aller voir vos ascendants, comme d'habitude, pour ce qui est de l'amour. Voilà, on va faire une vidéo entièrement dédiée à l'amour au mois de mars 2022. C'est une vidéo bonus d'ailleurs, parce qu'il y a déjà, si vous voulez aller regarder dans la playlist des vidéos, il y a déjà une influence de janvier, février, mars. Et pour vous, au mois de mars, je ferai un additif, un bonus spécialement pour tous les signes. En amour, allez, on commence de suite pour le prédictif. On va regarder qu'est-ce qui se passe un petit peu pour vous. Ah, il y a du changement dans l'air, ou du très très gros changement, dites donc. Donc là, on a la carte de la fatalité. La fatalité, un petit peu dans l'oracle de Béline, c'est un petit peu beaucoup d'ailleurs, l'arcane sans nom, du tarot de Marseille. Cette carte, elle sort à l'envers. Donc là, c'est ni plus ni moins Monsieur Coupe-Coupe qui a décidé de tout simplement arrêter certains schémas, voilà, certains cycles redondants, certaines choses qui reviennent ou des situations dans votre vie. Et là, vous ne le subissez pas parce qu'elle est à l'envers. Donc là, c'est une très très bonne carte. Alors déjà, la fatalité et l'arcane sans nom sont des très bonnes cartes parce que ça annonce quelque chose qui se finit. Une problématique, une situation la plupart du temps, ce qui ne nous convient pas. Et vous en avez assez, vous en avez fini, et ça l'acte en fait. Hein. Donc là, le monsieur à la faux, il décide de venir et de dire, très bien, on coupe dans cette situation et on va vers un renouveau, vers un avancement. Donc là, vous ne subissez pas ce changement. C'est quelque chose qui est, j'entends le mot délétère, c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien, vous voyez, qui vous soulage. Il y a du lâcher prise ici pour mes taureaux au mois de mars. Ça vous fait un bien fou, ce changement et le fait de... Alors là, on s'éloigne aussi peut-être des personnes toxiques, on s'éloigne des situations toxiques, des situations qui vous... Vous voyez, j'avais le sentiment que c'était embourbé, que vous aviez mis vos bottes et vous étiez dans un marécage, ça collait, c'était gluant. Et là, il y a vraiment une fin de situation, quelque chose où vous décidez. Alors, j'ai l'impression que vous décidez aussi, hein, c'est ce que je vous dis, vous ne le subissez pas. Hein, là, c'est pas la conjoncture, c'est pas l'extérieur qui vient vous dire c'est bon, on arrête. C'est là, vous prenez décision, et de toute façon, on la voit avec la carte juste après, vous prenez décision de quelque chose. Alors, ça peut être dans la matière, ça peut être au niveau du corps énergétique, ça peut être au niveau, bien entendu, de l'esprit. Donc, ça peut être dans beaucoup de domaines, hein, vous l'adaptez à ce qui résonne en vous. Quelle est la situation actuellement ou juste avant, hein, juste avant ce mois de mars, peut-être vous êtes toujours encore dedans, mais vous prenez la décision ce coup-ci de dire stop, non, j'arrête. Et non seulement vous le dites, ça va se faire, ça s'acte, mais en plus, vous allez prendre une direction. Vous voyez les différentes flèches rouges, bleues et jaunes, hein, qui correspondent à ce que je vous ai dit, le corps, l'esprit, l'amour, enfin voilà, des domaines dans lesquels ça peut résonner pour vous. Et vous, voilà, vous êtes au point mort. Et derrière, vous allez aller quelque part, dans quelque chose. Vous ne savez pas si ça va vous faire du bien, vous ne savez pas si c'est mieux, mais vous prenez la décision de partir quelque part, de partir dans un chemin, dans une route autre dans laquelle vous étiez mis, en fait, tout simplement. Donc là, on a beaucoup de taureaux qui sont dans de la clairvoyance. Vous l'avez pressenti, de toute façon, que cette situation, il y en avait assez, vous en aviez vraiment marre, tout simplement, et que là, vous aviez décidé de tout simplement vous dire « c'est bon, j'y vais
Et voyez, je le ressens. Je suis bélier, je suis bélier, je suis taureau. Ah, vous êtes peut-être ascendant bélier. Pourquoi ce lapsus révélateur? Le bélier, c'est aussi celui qui est dans l'action. C'est celui qui est imprévisible, qui est impulsif. Donc c'est pour ça aussi que je le formule. Mais vous, le taureau, il faut du temps la plupart du temps. Voyez, hein, je ne l'ai pas fait exprès, je n'ai même pas fait attention. Il vous faut du temps, autant, ça met du temps. Il y a. Voilà, les taureaux, il faut qu'on vous en fasse, il faut qu'on vous en kikine avant que vous disiez stop. Mais quand c'est fait, c'est acté. Et là, j'ai l'impression que voilà, vous êtes un petit peu derrière cette boule de cristal et vous avez vous savez, votre chakra du troisième œil, celui qui se situe entre les deux yeux. Le chakra bleu foncé, pour ceux qui connaissent les chakras. D'ailleurs, on est dans du bleu foncé. Madame Irma, qui est avec sa boule, et vous dites, je ne serai plus dans cette boule de cristal. Je ne serai plus un petit peu figé dans cet espace-temps. Alors, on ne voit pas très bien, mais c'est voilà, c'est une personne qui est un petit peu devant un précipice. La montagne est difficile à monter. Le chemin est compliqué. Il sait pas trop où aller, c'est un petit peu désertique, mais vous êtes un petit peu, voilà, visionnaire. Là, vous allez vous dire, ce que je pressens, c'est que la route vers laquelle je vais, ce mois de mars, c'est la bonne conduite. Alors, peut-être qu'effectivement, ça prend du temps. La carte 45, c'est le 5 et le 4 qui, en additionnant ces deux chiffres, donnent le 9. En numérologie, le 9, c'est celui qui est sage. C'est un petit peu, vous savez, le pape, hein, ni plus ni moins. Alors, c'est pas la, je crois pas que c'est sur la carte du pape, je crois que c'est l'ermite, le 9, mais c'est celui qui sait, c'est celui qui a acquis beaucoup d'expérience. Alors, il est un petit peu en haut dans sa tour d'ivoire aussi, hein, il est un petit peu empirique, un petit peu trop visionnaire aussi, il se déconnecte un petit peu trop de la réalité, parce qu'être derrière une boule de cristal ou derrière un écran, c'est se déconnecter de la réalité. Mais là, c'est vraiment à votre ascendant. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps, peut-être qu'il va vous falloir tout le mois de mars pour prendre cette décision, mais en tout cas, vous mettez les choses en place et ça, c'est très très positif. La couleur verte, c'est la couleur de l'espérance, hein, c'est la couleur de la guérison et ça, c'est vraiment très très positif. Donc, la patience, vous en avez, en tout cas pour ce mois-ci. Vous savez que les choses ne se mettent pas en place directement, qu'il va vous falloir du temps peut-être pour aller. Le chemin va peut-être vous sembler long, mais vous pressentez que c'est quelque chose de positif. Voilà ce que j'avais pour vous en prédictif. On va aller regarder du côté du professionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous. Ouh, très très belle carte. Ça me fait penser donc au bélier. Cette carte est ressortie. Donc, l'architecte. L'architecte, en règle générale, en numérologie, c'est la carte du. C'est la carte. C'est le nombre 11. Le 11, c'est ni plus ni moins celui qui construit. Enfin. Pas celui qui construit, c'est le 20 de celui qui construit. Le 11, c'est celui qui détient les plans, je le dis souvent, si vous écoutez mes autres vidéos. Et l'architecte, c'est celui qui détient les plans, c'est celui qui les dessine, d'accord? Donc là, il se peut que dans le professionnel, vous ayez beaucoup d'idées et vous pressentez que vos idées, ça va cartonner. Vous savez que tout ce que vous allez mettre en plan dans vos procédures, dans les papiers, là, je vois qu'il y a beaucoup de papiers. Vous êtes vraiment derrière de l'élaboration de projets. Et tout ce que vous consignez, tout ce que vous avez emmagasiné, vous avez, j'ai l'impression que vous avez un petit peu ruminé. Vous avez pris un petit chewing-gum, là, comme ça. Et puis, là, vous l'avez vraiment, ce bout de chewing-gum, vous l'avez usé. Parce que vous avez vraiment pris en compte tous les aspects. Le contraire, le positif, le négatif, un petit peu la thèse et l'antithèse et la synthèse. Pour ceux qui ont fait de la philo, vous savez de quoi je parle. Mais vous avez regardé un petit peu tout ce qui pouvait se faire, vous avez pris en compte tous les dires de vos collègues peut-être et vous exposez tout simplement ce projet qui est vraiment plutôt pas mal, qui est bien entériné. Regardez juste derrière Ninja, vous passez à l'action. Vous êtes en plus régi derrière vous, regardez par le soleil. Donc là, c'est une carte qui est très positive. Peut-être des montagnes, vous étiez peut-être fait des montagnes, hein, vous voyez, ils sautent d'une montagne à une autre. Et là, vraiment, vous êtes porté. Il y a encore ce côté vert, vous voyez, ce côté le temps. Ça vous a pris du temps, vous avez mis du temps, mais là, c'est vraiment très positif. Pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, qui sont en attente d'un emploi, c'est peut-être le bon moment pour se lancer, peut-être dans des choses. Alors, encore une fois, je le ressens, donc je vous le dis, dans des choses qui sont
À travers de l'administratif. Alors bon, tout le monde ne va peut-être pas être architecte, hein, d'accord, mais peut-être des choses qui sont en reliées au dessin, donc à de l'art aussi. Mais lancez-vous dans des projets, d'accord? S'il y a des personnes qui veulent lancer leur entreprise en ce mois de mars, c'est quand même assez favorable, malgré un petit peu cette conjoncture qui n'est pas, on va dire, folichonne, mais là, il se peut que si votre projet est bien entériné, si vous avez tous les tenants et les aboutissants, là, vous pouvez sauter le grand pas. C'est bon, jump, c'est parti. Allez, on regarde après en ce qui concerne votre énergie, vos énergies, un petit peu le côté santé, corps, énergétique. On a quoi? On a, restez positif, pas mal. Voilà, donc l'archange Raphaël vous dit de rester positif. Regardez, il vous fait un énorme sourire. Très positif comme carte. Cher archange Raphaël, merci de m'aider à être optimiste et à prendre toutes les actions, toutes les pas, toutes les étapes qui pourraient m'apporter un mieux-être, qui pourraient me porter vers la santé. Vous voyez? Donc, c'est ni plus ni moins l'architecte. Vous avez construit les choses, vous avez mis en place des choses et on vous demande d'être encore une fois positif. Alors les taureaux en règle générale, vous êtes quand même des personnes positives, donc continuez à l'être. Voilà, vos projets sont réalisés. Peut-être en termes énergétiques, ça vous a fatigué hein, quand le mental fonctionne encore à plein badin, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Peut-être voilà, il y a des fatigues, mais ne vous laissez pas emprisonner par ces fatigues qui ne sont que physiques, d'accord? Ou que mental, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais voilà, vous avez la capacité, alors dormez beaucoup, si cela vous parle, encore une fois. Sortez si vous avez vraiment besoin de vous aérer l'esprit, d'accord? Donc, pour le côté énergétique corps, reposez-vous, dormez, bullez aussi, tout simplement, ça peut vous faire du bien pour réparer votre corps énergétique. Et si justement c'est le mental qui est trop dans l'action, peut-être suite justement à ce que vous avez mis en place dans votre tête, ça vous a vraiment demandé beaucoup d'énergie, sortez, allez vous aérer et aussi ne rien faire. Vous balader et ne rien faire. Je l'entends, je vous le dis, ne vous mettez pas derrière des écrans qui vont aspirer encore une fois votre énergie. D'accord? Vraiment couper, c'est peut-être le moment de faire une coupure avec nos téléphones, hein, pourquoi pas, 1 heure, 2 heures, qu'importe. Mais restez dans cet état positif et coupez-vous des choses qui vous sont trop chronophages, énergivores, vous voyez? Il y a des blocages karmiques. Donc ça ne parle pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous, pardon. Les blocages karmiques, c'est ni plus ni moins des choses qui sont véhiculées par le karma, des chaînes par le karma. Le karma, ce sont... alors, le karma, c'est une notion bouddhiste, bien entendu, qui nous ramène à nos actions passées dans nos vies antérieures. Donc là, on y croit, on n'y croit pas. Voilà, prenez encore une fois ce qui est porteur pour vous. Mais il se peut qu'en ce mois de mars, il y ait certains taureaux qui soient encore enchaînés à une loi de karma. Donc là, les karmas, il y en existe plusieurs, d'accord? Ce qui sont reliés à l'esprit, aux 5 sens, ce qui est relié un petit peu au travail aussi. Donc voilà, il y a des domaines sans doute dans votre vie qui sont très bloquants, mais vraiment très très bloquants. Quand on parle d'un karma, ce sont des cycles qui sont redondants et qui sont fermés, d'accord? Pourquoi je ne trouve jamais le bon travail? Pourquoi je rencontre que des personnes qui me font du mal? Pourquoi je rencontre que certains types de personnes? Donc là, au mois de mars, on vous demande de travailler un petit peu sur votre karma. Donc si vous avez identifié les choses qui vous mettent dans un état de pieds et poings liés sur lesquels vous ne pouvez pas accéder, c'est tout simplement parce que ce n'est pas votre faute, c'est dans vos vies antérieures. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, ça vous empêche d'aller de l'avant et de passer à une autre étape, tout simplement. Donc là, il y a des solutions. Mais la plupart du temps, il faut quand même se faire aider. Alors là, c'est des thérapeutes, mais qui sont vraiment spécialisés là-dessus, sur les vies antérieures. Donc, pourquoi pas des mémoires akashiques, si vous avez, voilà, si cela vous intéresse, allez sur Internet, allez voir. Il y a des personnes qui parlent des mémoires akashiques, qui en font des lectures akashiques. Voilà, on en trouve sur Instagram. Je sais qu'il n'est pas facile de confier un petit peu son passé. Mais ça peut être intéressant pour vous, si cela vous parle, voilà, d'aller voir qu'est-ce qui est vraiment problématique et qui vous empêche d'avancer. Là, sur les cartes de murmure de guérison, on vous demande d'apprendre. Le 25, c'est l'association du 2 et du 5, donc un petit peu votre yin et votre yang, votre
part de masculin et féminin sacré, qu'il va falloir un petit peu bouger, qu'il va falloir faire tourner, ni plus ni moins, vous savez, comme ce signe du yin et yang, le faire tourner, un petit peu l'harmoniser et apprendre. Apprendre, le 5, c'est les expériences, c'est l'expérimentation. Donc là, on est vraiment dans l'apprentissage. Regardez cet enfant qui regarde la coccinelle, qui découvre la nature, qui découvre comment la nature fonctionne, l'épi de maïs. C'est ni plus ni moins la récolte. Donc là, il se peut que effectivement vous soyez encore dans de l'apprentissage, peut-être au point de vue énergétique aussi. Vous apprenez comment votre corps fonctionne, peut-être vous apprenez à l'écouter, ça c'est important. Et donc l'association du 2 et du 5, hein, cette carte 25, donne le 7. Donc c'est peut-être ni plus ni moins un apprentissage qui vous amène vers la spiritualité. Voilà, prenez ce qui résonne pour vous, mais aussi tout simplement, voilà, c'est la découverte de votre corps sous tous ses aspects et peut-être comment mieux l'alimenter. Mieux vous nourrir, hein, tout simplement, voilà, faire peut-être plus de sport, enfin, des choses qui vous font du bien et qui permettent vraiment d'avoir un bon maintien énergétique. Couper des liens toxiques, ça en fait partie aussi. Et coupler des liens de karma, ça peut être aussi une des solutions pour pouvoir en apprendre plus sur vous. Voilà ce que l'on a du point de vue énergétique, santé, corps, physique. On passe au blocage. Qu'est-ce qui se passe pour vous, dans le côté un petit peu blocage, défi, solution. Parce que oui, on n'est pas là pour parler que des blocages, parce que sinon, ça serait ennuyeux. Je vous propose, les guides vous proposent un petit peu d'aller voir qu'est-ce qui, encore une fois, pour vous, on a vu que c'était des blocages karmiques. Qu'est-ce qu'il y a de plus général ce mois de mars? Regardez, il y a les lignées familiales. Eh bien, ça, la généalogie. Quand on est sur les incarnations, quand on est dans le travail spirituel, on va voir la généalogie et on va voir les lignées de famille, les liens de famille. Donc là, encore une fois, il va falloir travailler à l'enracinement. Vous voyez, l'arbre, c'est la symbolique de vos racines. Les racines, la plupart du temps, c'est le papa, c'est le père, c'est la représentation de la fratrie à travers le côté paternel. Donc là, il y a peut-être des problématiques lié à la lignée paternelle, mais pas que, parce que, bien entendu, l'arbre s'éveille et s'élève vers le ciel, qui est aussi la représentation de la maman. Donc là, allez voir des deux côtés, si et seulement si cela vous parle. Allez voir du côté des lignées familiales. Alors, ça peut tout simplement, c'est difficile d'aller voir, on a toujours quelqu'un qui a la représentation de la mémoire de la famille, d'accord ? Ça peut être une tante, ça peut être un oncle, ça peut être un frère, parce qu'il en sait peut-être plus que vous. Ça peut être des personnes qui ont déjà travaillé sur votre arbre généalogique, mais papa, maman, grand-mère, enfin voilà. Mais allez voir ce genre de personnes si cela vous intéresse, connaître les choses que votre famille ont vécues, et ce que vos ancêtres ont à vous léguer, c'est aussi avoir une partie de nous-mêmes, vous savez, nos racines, d'où est-ce que l'on vient et qui l'on est. En adéquation et en addition, vous avez un travail à faire sur l'enfant intérieur. Là, mes amis taureaux, vous avez vraiment des blocages qui sont reliés à beaucoup de choses. Là, on va vraiment parler des constellations familiales, on va vraiment parler du travail spirituel, du travail du développement personnel. Voilà. Donc, ce mois de mars est vraiment lié au développement personnel et d'aller creuser. Prenez une pelle et allez creuser dans les enseignements, dans vos ancêtres, dans vos lignées et savoir qu'est-ce qui se passe du côté de votre enfance. Est-ce que quand vous avez été enfant, il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont fait du mal? Est-ce que cet enfant, voilà, n'a pas été bafoué? Ça peut être à travers de l'éducation, encore une fois, bon, papa, maman aussi, bien entendu, mais peut-être un maître ou une maîtresse, un enfant qui vous a fait du mal. Des fois, vous savez, des petits riens de l'enfance font des grandes blessures d'adultes. Donc ça c'est à aller voir avec, voilà. Si vous avez la capacité, si vous voulez le résoudre tout seul, vous avez des méditations sur les enfants, enfin sur l'enfant intérieur, des méditations sur la généalogie, sur l'arbre intérieur. Il y a vraiment de très belles choses, on trouve de belles choses sur YouTube. Et si vous voulez faire apparaître voilà, des personnes dans votre entourage qui peuvent tout simplement vous aider un petit peu à déblayer les mystères, pas les mystères de la vie, mais les mystères de votre naissance, de ce qui s'est passé avant, pour avoir la compréhension de votre lignée familiale. Qu'est-ce que ça la amène?
Cela amène une augmentation du taux vibratoire. C'est normal. Quand on permet aux choses de se libérer, de s'abandonner, de lâcher prise, ça permet à gravir une marche un petit peu dans le développement personnel, dans votre évolution et forcément dans votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, pour qu'il s'élève, c'est accepter, c'est abandonner, c'est pardonner, c'est guérir. Voilà, ce sont des mots qui peuvent résonner pour vous. Et ça permet vraiment de... Voilà, vous allégez. Regardez la flèche, hein, la flèche va vers le haut. Voilà, vous allez dans l'ascension. Encore une fois, le 52, il est positionné à l'inverse. Donc, la multiplicité d'expériences vous amène un équilibre à travers votre dualité, qui vous êtes entièrement, ce yin et ce yang. Donc, faire ce travail, ça va vraiment vous permettre voilà, de poser beaucoup de choses et vraiment de franchir peut-être d'autres niveaux, voilà, le niveau j'aime pas trop, mais de gravir une marche dans votre accomplissement et dans votre compréhension. Au point de vue spiritualité, oh regardez, Ganesh vous dit quoi ? Transformation personnelle, je vous en ai parlé juste avant, c'est une transformation. Le fait de gravir un échelon, une marche, on va dans quelque chose qui vous transcende, tout simplement. Vous voyez, il acquiert d'autres mondes. Voilà, il a connaissance d'autres domaines. Ça va vous permettre de vraiment, j'ai pas d'autre mot que lâcher prise. Il y a un sentiment d'abandon chez vous. Il y a un sentiment de, vous voyez, c'est et ça relié, je me disais, tiens, le 35, on l'a rencontré. Oui, c'est de la clairvoyance. Oui, vous sentez que dans la direction dans laquelle vous allez, c'est quelque chose qui est pour le mieux. Ça prend du temps, d'accord, rappelez-vous, hein, mais vous ne le subissez plus. Vous vous rappelez la carte de la fatalité à l'inverse, c'est... On vous coupe des choses si on vous enlève des personnes, si on vous enlève de certaines situations. S'il y a un clap de fin sur des choses de votre vie dans tous les domaines que cela peut porter, c'est pour votre bien, pour que vous puissiez accéder au meilleur de vous-même et que vous puissiez vous recycler. J'ai ça comme information, vous recycler. Voilà, vous donner de la brillance. Qu'est-ce que le petit oracle des anges a à vous dire ? Donc là, il y a l'archange Uriel qui intervient pour vous et qui vous délivre un très très beau message et qui vous parle encore d'une magnifique transformation spirituelle. Décidément, vous voyez, la transformation spirituelle est pour vous, est accessible pour vous ce mois-ci. Donc, mes chers amis taureaux, je vais vous lire quand même la carte qui est une carte vraiment porteuse de très 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 belles énergies, voilà, de petites chenilles, c'est littéralement le papillon qui s'envole. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans votre vie et dans votre monde. C'est l'union du ciel et de la terre. Tiens, tiens, je vous l'ai dit, regardez l'arbre. C'est la rhétorique, c'est l'image, c'est la métaphore de l'union de la terre et du ciel. Donc, c'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, bah quoi vous dire, mis à part que un très beau mois de mars pour vous. Alors, les choses se mettent en place, vous le décidez, d'accord ? Vous êtes acteur ce coup-ci, mais il y a quand même du boulot. Il y a du boulot sur le karma, sur l'enfant intérieur, on l'a vu sur les lignées familiales, vous êtes dans l'apprentissage, vous apprenez des choses, voilà, et waouh, ça détonne quoi, c'est un détonateur, mais c'est vraiment, voilà, pour que vous alliez vers le haut, et l'archange Uriel, encore une fois, vous délivre ce très beau message qui un petit peu illustre tout ce que l'on voit à travers la guidance. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis taureaux, au mois de mars, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ici en bas à droite, à me retrouver pour des prochaines vidéos à travers la cloche de notification pour voilà, les avoir en avant-première. Je vous retrouve très bientôt, n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je pense que je vous l'ai dit au début, à une vidéo sur l'amour qui arrive pour vous. Spécial amour, je ne l'ai pas abordé dans ce tirage, dans cette guidance, parce que sinon ça serait trop gros, on va aller voir célibataire, couple, ainsi de suite pour vous pour le mois de mars, c'est un bonus. Et puis, je vous retrouve à très bientôt. Portez-vous bien pour ce mois de mars. Très belle transformation personnelle et spirituelle aussi, hein, tout simplement.
Allez-y, on est de tout cœur avec vous. L'archange Uriel vous emporte avec lui et il vous porte aussi dans ses énergies. Donc, à très bientôt. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.